messieurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve pour la suite de Idol. Souvenez-vous, à la fin de l'épisode, on avait embrassé Daniel. Enfin, plutôt, on est nous embrasser. Je n'étais clairement pas prête pour ça. Et du coup, on va voir la suite. Si vraiment ça nous fait une ellipse, je pleure. Oh, chapitre 17, rapprochement. Yes. Non. J'étais sûre que ça allait faire une ellipse. Lorsque mon réveil sonne, à 7h01 très précisément, j'ai comme une envie de jeter mon portable à travers la chambre et de me rendormir. Après cette soirée riche en émotions, j'ai eu beaucoup de mal à revenir sur Terre. Je me suis endormie que vers 3h, des images plein la tête et le cœur en chantier. Ok, donc ils nous ont tous embrassés. Bah, je sais que c'est Aniel, mais et j'ai remarqué ces moments avec Aniel. Et Imjan était si adorable. J'espère pour les celles qui aiment Imjan que il a fait aussi un kiss. Hein. C'était comme dans un rêve. Dire que ça a failli mal se terminer. J'ai eu si peur. Si peur de le perdre avant même que tout n'ait pu commencer. Au final, plus de peur que de mal, et lui-même n'avait pas trop l'air traumatisé. J'ai encore des difficultés à croire que nous nous sommes embrassés. J'ai changé un baiser avec Aniel. Ah ! Stop. En y repensant, le bout de mes doigts frôle mes lèvres. Je me languis déjà de retrouver les siennes. Je ne pense pas pour le moment. Je pense pour le moment pas aux difficultés qui pourraient se dresser devant nous. Je pense pas qu'il est Aniel de Sir Star avec des millions de fans. Il est juste Aniel et je suis tombée amoureuse de lui. Oh ah, stop avec les. J'ai eu ma dose de mignonitude déjà. Hein, de son affection pour les cactus, de ses magnifiques coiffures, de son côté décalé et de cette espèce de folie douce qui lui va bien, de sa beauté éthérée et sensuelle à la fois, et de son côté candide et, angélique. Ah, songer à lui, monsieur. Oh, ouh. Songer à lui a suffi à me redonner l'énergie qui me manque après cette courte nuit. J'ai bondi donc de mon lit pour aller prendre ma douche. Un peu plus tard, je prépare le petit déjeuner lorsque Claire émerge à son tour de la salle de bain. C'était de déterrer ma rage, bien malgré moi. Un petit rire, ok. Oula, nuit difficile, on dirait. Pff, à qui dis-tu? Et toi? Oh, d'ailleurs, j'avais oublié de faire ça, mais... j'avais rien eu, j'avais rien débloqué, du coup, voilà. à peu près pareil en fait. Heureusement qu'il n'y a pas de remise des prix tous les soirs. Eh, si ça permet de voir gagner Colin à chaque fois, je suis sûre que tu serais partante. J'aime mon yu tout mon cœur, mais le sommeil c'est sacré. Je ris et pose un bol devant elle sur la table basse. J'ai à peine le temps d'attaquer mon bol de céréales que mon téléphone s'active de près de moi. Tu es très demandé de bon matin déjà. C'est qui alors? On a son numéro maintenant. Enfin. C'est Aniel. Pourtant on n'a pas échangé nos numéros. Ah chut. Il a sans doute demandé à un autre des garçons. Il avait vraiment envie d'envoyer un message, dis donc. Alors il dit quoi? C'est ouais, c'était trop cool hier avec toi. Oh merde, j'ai pas vu. Oh non. Bon, un peu moins quand une voiture m'a poussé dessus. C'était merveilleux, j'ai pas eu le temps de lire. Ah non, je suis deg. Si je dois me faire renverser par une voiture pour passer. C'est bon. Et je suis allée direct à un tour sur l'autoroute. Oh mon
Dieu, non. Ça commence bien. J'éclate de rire et Claire hausse un sourcil. C'est juste... Aniel, je ne vois pas comment résumer ça autrement. Pourtant, je vous trouve trop mignons tous les deux. Vous allez bien ensemble, c'est joli à regarder. C'est surtout Aniel qui est jolie à regarder. Mais tu es très jolie aussi. Je t'assure, vous êtes très bien assortis. Pas certaine que les sassines de Aniel pensent la même chose. Non, elle voudront sans doute ta tête au bout d'une pique. Merci pour l'image bien gore et plein en plein de petit déjeuner, Claire. Ah voilà. Le plus beau moment, c'était... Ah, de la soirée, c'était celui que j'ai passé avec toi à l'hôpital. Ok, c'était bien ça. Claire se contente de rire et j'ai fait bientôt de même. En tout cas, quelle soirée de folie. Il faudra que je regarde les vidéos pour revivre ça à tête reposée. Je pense que ça plaira aussi à mes parents. Si tu veux bien me passer pour ma cerise, je n'ai pas tout imaginé. Les images sont gravées dans ma mémoire. Si on t'avait dit que tu allais assister à cette cérémonie avant de partir de Paris, je ne l'aurais jamais cru. J'imagine que tu es contente que... 21st June ait aussi reçu un prix, même plusieurs. Oui, mes deux groupes préférés récompensés. C'était merveilleux. Au fait, la soirée n'a pas été trop dure pour ta cheville? Non, ça va, je boitille toujours un peu, mais d'ici quelques jours, je pourrai retourner courir sur les terrains de foot. J'espère que je ne serai pas trop rouillée. Mais même avec les deux jambes et les deux bras dans le plâtre, je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Dire qu'on a côtoyé tout un panel de stars. Tiens, parlant de stars, tu sais le CEO. CEO. CEO, je sais toujours pas. Dopi. Dopé. Ouais. Il m'a donné sa carte après m'avoir fait une proposition. Claire au Saint-Sourcil, à la fois curieux et méfiant. Quel genre de proposition? Un contrat de mannequin pour son agence. Ma cousine garde une expression parfaitement lisse et je ne parviens pas à deviner ce qu'elle pense. Et tu vas lui dire quoi? Oh non. Non, non, moi je redis non. Honnêtement, je suis pas trop intéressée, c'est pas trop mon truc. Assez vite, la célébrité, c'est pas trop mon truc. Oups. Non, c'est bon. Et puis je préfère de loin me concentrer sur mon mémoire. En plus, pour être tout à fait franc, je trouve sa proposition un peu bizarre. Ok, je suis la cousine de Colin Couac, mais de là à me proposer un contrat de but en blanc comme ça, je vais peut-être en parler à Colin d'ailleurs. C'est sans doute plus prudent. Tu crois que le CEO est au courant de l'accident d'Aniel? J'ai cru que j'allais tomber dans les pommes quand c'est arrivé. J'en étais pas loin non plus. S'en est fallu d'un cheveu, imagine le gros... Mais c'est pas possible, les gros titres le lendemain. Et le soir même de leur consécration. Est-ce que la presse est au courant? Je suis pas allé constituer le web en me levant. Peut-être, le conducteur de la voiture s'est peut-être dit que ça ferait un scoop. Même si je crois qu'il a eu peur aussi. Mais toi, à sa place... S'il l'avait sérieusement blessé, il aurait eu tous les fans sur le dos. Ce n'est pas vraiment de sa faute. Tu penses que c'est la faute de Myung? Non, elle ferait pas de mal à Aniel. Je t'aime toujours pas. Hein. Elle l'adore, mais je vois pas trop pourquoi elle essaierait de le tuer. Et puis, elle avait l'air sacrément secouée ensuite. J'imagine l'esprit pervers qu'il faudrait pour avoir à simuler ça. Tu crois qu'elle est responsable, toi? Je pense pas qu'elle ait constamment voulu le blesser, non. Je pense surtout qu'elle n'avait pas anticipé que ça pouvait être aussi grave. Pour ma part, je pense qu'elle a fait exprès de lui tomber dessus, sans réfléchir plus loin que le bout de son nez. Waouh, si c'est vrai, c'est carrément flippant. Mais tiens, j'y pense. Tu te souviens de ce que Chaiwon nous a dit au café? Que Myung était dans un groupe de sa scène de Ginny.
Sauf que Myung, elle est hyper fan de Daniel. Genre une véritable obsession. Elle corrige toujours pour l'appeler par son prénom quand je dis Aniel, comme si elle était plus proche de lui que moi. Je pense qu'elle s'est démenée pour le coller de Ginny, non pas pour Ginny, mais pour faire plaisir à Aniel, dont c'est l'ami. Au concert, elle voulait absolument mon éventail. Tiens, mais oui, j'avais même pas percuté. En soi, je ne sais pas si ça change grand-chose. Elle peut aussi être dans un groupe de sasaeng de Ginny pour surveiller, c'est ce qu'avait dit Shaewon. Que l'organisation, une véritable mafia. Tant qu'elle se tienne enfin tranquille. Même si après ce qui s'est passé avec les garçons. N'y pense plus. Bon, je vais débarrasser et puis on va se préparer pour aller à la fac. Je me lève, récupère nos bols et nos cuillères et me dirige vers la cuisine. En rangeant la bouteille de lait dans le réfrigérateur, je pense soudain à quelque chose. Tiens, mais avec tout ce bazar de la soirée, on n'a pas repensé au pari d'IA? Attends, mais comment il... Je comprends pas. On peut avoir gagné le pari? Alors qu'il n'y avait pas sa... la réponse? Je comprends pas. Je comprends pas. J'ai toujours pas compris. Y avait pas Batman. Et je m'en souviens, il n'y avait pas Batman. C'est impossible qu'on ait gagné alors. Bref. Pareil qu'on a derrière perdu. S'il pouvait s'activer, ça me fallait bien. Je n'aime pas être dans l'attente. La tirade héroïque de Claire est interrompue par la sonnette de la porte. J'y vais. Je sors vite jusqu'au pied de l'immeuble et remonte avec un paquet plutôt conséquent. Tu attendais quelque chose? Non, mais ça vient de l'agence. On parlait d'îlot, à mon avis, ça doit être les habits que JM avait promis d'envoyer. Ouvre vite. Je pars chercher une paire de ciseaux puis ouvre prudemment le carton afin de ne pas abîmer le contenu. J'en sors finalement plusieurs vêtements. Ah, tu avais raison. Non, c'est l'inverse. Ils sont pour moi, car c'est toi qui feras la semaine vegan. Je prends les vêtements et les observe un instant. Je suis vite allée me changer et je reviens. Ok, de toute façon, on n'est pas en retard, donc te presse pas trop quand même. Je vais moi aussi me changer. Je rentre dans la chambre, me change et il m'admire un instant dans le miroir, en vieux posé dans un coin. J'ai a bien choisi, les vêtements me vont à merveille. Je veux voir, moi. C'est, semble-t-il, aussi l'avis de Claire, car elle me sourit en grand lorsque je reviens. Ça te va super bien. Merci, je trouve ça joli aussi. Ah ouais, j'aurais bien envie d'essayer. J'ai bien envie de faire la semaine vegan avec toi. Oh, ce serait sympa, oui. Oui, j'avais envie d'essayer aussi, en fait. Et bon, je pense qu'on connaît à peu près. J'ai un peu lu, mais pas tout. Ouais, ce serait sympa. J'ai déjà lu, c'est pas grave. Et je pense que ça plairait à JIA. J'ai envie de tester, qui sait, peut-être que je continuerai ensuite. J'ai envoyé un petit message à JIA pour lui dire qu'on a bien réceptionné le colis. Je planote rapidement l'écran sur mon téléphone. Pour ma part, j'ai très hâte de te voir dedans en vrai. Bon, maintenant que ça c'est fait, direction l'université. Et cette fois, c'est la bonne. En vrai, je suis bête, peut-être que si j'avais mis Axel qui mettait les vêtements, peut-être que. J'aurais vu les vêtements, je sais pas. Et cette fois, c'est la bonne. Je ris, récupère mon sac et sors de notre appartement avec ma cousine. Notre cours se termine un peu avant midi. Je meurs de faim, invite un resto. Oui, histoire de commencer notre défi. Je laisse mon bras à Claire et nous nous dirigeons vers la sortie de la salle des cours. Non mais, pourquoi tu gâches toujours tout comme ça? Vous pouvez pas manger avec Sylvia, je sais pas. Et tiens, regarde, il y a Raon là-bas. Ouais. Notre Buddy, ouais. Qui a entendu son nom, relève la tête, nous aperçoit et puis nous offre un de ses éternels petits sourires. Nous approchons d'elle tandis qu'elle termine de ranger son ordinateur. J'ai pas envie de la voir. Ça fait longtemps. C'est vrai, j'étais un peu prise par mon mémoire, je dois bien l'avouer. Et tu avances bien? D'accord, c'est bien. J'ai fait des progrès, oui.
Ça te dit de venir déjeuner avec nous? Claire, tu sais que je t'aime bien, mais... Et Paraon. Si tu as le temps, bien sûr. Même si je me dis que ça ne doit pas faire de mal de faire parfois des pauses. Je suis d'accord, ça me fera du bien de décompresser un peu. Raon sourit à nouveau, puis nous sort de la salle, en direction de l'un des restaurants de la fac. Ouais. Alors, tu vois un truc qui te plaît? J avait raison, ce n'est pas du tout sale d'être vegan en Corée du Sud, dis donc. Le choix est quand même grandement limité. Il n'y a que ces petites salades. Eh ben, va pour la salade alors. On se rattrape à la maison, moi là on pourra préparer nos repas comme on l'entend. Nous récupérons nos plats et puis rejoignons Raon qui nous attend un peu plus loin déjà à tabler. Vous allez un peu fatigué, tout va bien? Vous ne déboîtez pas trop quand même. Tu comptes se démettre sur quoi? Si jamais vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me le demander. C'est très gentil, mais c'est moins noble que ce que tu penses. On est juste resté réveillé assez tard hier. Oh, une soirée avec mon frère. Claire n'entre pas dans les détails et Raon ne pose pas non plus de questions. J'aime beaucoup ta tenue aujourd'hui, Saïwa. Ça va vraiment très bien. J'aurais bien aimé voir, moi. Ces gens-ci. Mais je confesse qu'en réalité, je n'ai pas choisi les vêtements. C'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros, j'ai perdu un pari. Et les vêtements font partie du gage. Raon rit de nouveau. Il y a pire comme gage, la personne qui a choisi voulait sans doute que tu sois très jolie. Oui, au moins, je n'ai pas l'air ridicule dans la rue. Si tu veux, je peux lui demander où il a trouvé ça. Oh, je ne crois pas que ce soit la peine, ce n'est pas vraiment mon style. C'est juste très mignon sur toi. Claire, tu avais l'air de boiter en arrivant. Oui, je me suis bossée en tombant bêtement dans les escaliers. Heureusement, c'est bientôt terminé. Oh, tu n'as pas dû pouvoir jouer au foot alors. Non, ça a bien été horrible. Et toi alors, ton taekwondo? J'ai un tournoi très bientôt, vous pourrez venir me voir si vous voulez. Non? Raon sourit encore. Il faudra juste que tu nous dises la date. Bien sûr, ça me ferait plaisir que vous veniez en tout cas. Oh non. Oh non, mais ça fait trop là. Hé, les filles. Non. La voix de Nam Seon nous interrompt dans notre discussion. Je perçois aussitôt une tension chez Raon et je me demande s'il y a un souci. Qu'elle le connaît et qu'elle l'aime pas. Nam Seon, qui ne remarque rien, s'approche de nous en souriant à un plateau entre les mains. Je peux m'asseoir avec vous? Il ne laisse en réalité pas vraiment le choix puisqu'il s'installe à son propre chef et à la place laissée en vacante de près de moi. Ça m'agace franchement. Il ne pose pas de questions s'il n'a pas besoin de la réponse. Vous vous connaissez? Nous sommes dans le club de français tous les deux. Nous sommes aussi sortis deux fois en soirée. Ouais, c'était génial d'ailleurs. Non. Namson ne fait pas vraiment attention à Raon. Peut-être qu'il ne la connaît-il pas au final. Oh putain, vous me saoulez. Tu n'es pas habillé comme d'habitude? Non, tu as l'œil. C'est un pari avec un ami. Un ami, un mec. Un simple ami? Oh mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Oh là là. Encore cette question sur les copains, qui paraît omnibuler tout le monde en Corée du Sud. Je me contente de sourire et hocher la tête. Ouais. En tout cas, ça te va super bien, ton ami à l'œil. Non, je te remercie. Sinon, vous faites quelque chose tout à l'heure? Moi, je dois aller chez le kiné pour ma cheville. Le village de Nam Seon, c'est clair. Non, tu peux oublier, je sortirai pas avec toi. Oh, et toi? Dis-moi, je vais voir des amis. Ah bon? Oh, je t'aurais bien proposé de passer l'après-midi avec moi. Non, j'aurais dit non. J'avais envie de te montrer des endroits cool à Séoul. Désolée, je suis prise. C'est vraiment important ce que tu dois faire? Mais... Gardons notre calme. Nous allons voir Agnelle bientôt. Tu ne peux pas postposer? Oui, c'est important. Et non.
Ron, qui était jusque-là restée silencieuse, repose ses baguettes en métal et près de son assiette. Le bruit sec nous fait tourner la tête vers elle. Tu trouves ton attitude déplorable. Ah, elle nous regarde moi ? La mienne ? La mienne ? Non, je parle pas de toi, ça y est, rassure-toi. Je parle de lui. On se connaît ? Je t'ai jamais parlé avant. Oui, et ça, vu ma tête, je ne doute que tu ne serais pas venu vers moi. Mais je n'apprécie pas du tout que tu fasses ton petit numéro de charme à mon ami comme ça. Tu commences à remonter dans mon estime, toi. Alors permets-moi de lui ouvrir un peu les yeux parce qu'elle est trop gentille pour te remettre à ta place. Est-ce que tu ne t'intéresses pas à Saiwa parce qu'elle est étrangère? Namsan se sortit un peu sur son siège gêné. Ce n'est pas juste ça. Mais c'est un peu ça quand même. Je connais ta réputation. Je n'aime pas beaucoup que tu profites de la situation comme ça. Je m'en doutais qu'il y avait un truc louche. Je n'aurais pas profité de la situation. Je n'aurais pas forcé à Saiwa à faire quoi que ce soit. On voit les plans que tu avais avec. Tu ne nies pas. Est-ce qu'il y a rien nié? Ouais, mais elle aurait pu dire non, mais vous croyez. Même si on pousse un gros soupir, mais ne cherche pas à arrêter la conversation. C'est vrai que les étrangères me plaisent plus que les coréennes. Ouais, bah c'est pas mon problème. Mais c'est juste une préférence. Les filles aussi ont des préférences physiques pour les mecs qui leur pèsent. Pourquoi direct les mecs? Hein? Putain, ça m'énerve ça. J'ai pas la peau foncée, mais j'ai pas non plus la peau hyper claire, mais vous voyez. Mais tu es venu vers moi juste parce que ma peau était claire. C'est vrai, mais parce que je te trouvais jolie aussi. Non, pas du tout. Ça n'excuse rien du tout. Et je n'aurais jamais rien fait si tu n'avais pas été intéressée. Et tu aurais continué à me parler si je t'avais envoyé bouler? Oui, j'aime vraiment la culture française et ça m'aurait plu de pouvoir en discuter avec toi. Même en tant que simple ami. J'ai tressé les yeux alors que Claire secoue la tête et que Raon affiche un regard dur. Je crois que tu devais nous laisser un petit peu tranquille pour le moment, Namsan. Namsan ouvre la bouche mais il la referme ensuite sans dire un mot et pose sa main dans ses cheveux. Ouais, passe. C'est la même chose. Il récupère son plateau et se lève. Mais avant de partir pour de bon, il se tourne vers nous. Ça ne donne pas une super image de moi, mais peut-être qu'on pourrait rester amis. Non. Ah bah non, du coup, tu attaques sur Sylvia. Mais de toute façon, c'est déjà mort pour elle. C'est mort pour elle aussi. Si vous avez Insta, vous savez pourquoi. Ah d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse. Il y avait une version pour le Prime Month qui était sortie, mais du coup, on est en juillet. Et je voulais pas me casser la tête à la télécharger, je vous avoue. Et c'était juste pour le dernier jour et vu que maintenant on est en juillet, ben voilà. Je suis dégoûtée aussi, hein, mais voilà, que voulez-vous qu'on y fasse? Et vous savez si Sylvia est sur le campus aujourd'hui au fait? La question fait exploser ma cousine. On n'en a aucune idée et même si on le savait, on ne te dirait sûrement pas. Namsan a un petit mou, mais repart pour de bon sans rien ajouter cette fois. Je suis désolée d'avoir mis le pied comme ça dans le plat. Ouais, vous avez compris. Mais je n'avais pas du tout envie qu'elle profite de toi. Je ne dis pas qu'il aurait été nécessairement méchant ou violent, mais il était clairement intéressé et pas pour le long terme. Faudrait prévenir Sylvia. C'est courant ce genre de comportement, Raon? Non, pas trop. C'est juste que certains hommes coréens ont très vite envie d'accrocher une étrangère à leur tableau de chasse. Il y a même une expression pour ça quand il s'agit de femmes à la peau blanche. Et les joues de Raon se colorent légèrement. Montez le cheval blanc. Grande classe. Pour les filles avec une peau un peu plus foncée, c'est parce que ça fait plus exotique. Parce qu'en Corée du Sud, les gens de couleur sont minoritaires. Mais en général, ce ne sont pas des relations sérieuses. Ils ne considèrent pas comme des filles à présenter à leurs parents. Ce qui est le summum de la validation dans une relation ici. C'est juste pour s'amuser et
et goûter à une sorte de fruit interdit en gros. Ils testent, on voit ce que ça donne, se vantent, puis cherchent une coréenne pour le mariage. Après, rassurez-vous, ce n'est pas du tout la majorité. Là, je parle des cas extrêmes. Et je ne veux pas non plus donner une mauvaise image de mon pays, dont je suis très fière, je suis fière par ailleurs. Eh bien, merci de l'avertissement. Je m'étais jamais posé la question sur de la relation mixte. Est-ce que ça pourrait poser un problème? Est-ce que ça nuirait à la famille de Aniel qu'il ramène une copine non coréenne? Je suppose que je ne l'intéresse pas juste parce que je suis étrangère. Non, il n'est pas comme ça, lui. Bon, après toutes ces émotions, je crois qu'il va être l'heure de rentrer. Comme je le disais, je dois aller chez Kiné et Sayo est aussi occupée. Pas de soucis, ça me fait très plaisir de déjeuner avec vous. Franchement, Raon, elle a un côté chiant, mais... Vous savez, genre par rapport à la K-pop et tout. Mais en vrai, quand tu commences à la connaître, elle est beaucoup plus... T'arrives beaucoup plus à la cerner. Genre là, j'arrive beaucoup plus à voir comment elle est. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il faut qu'on fasse ça plus souvent, on pourra te présenter à Sylvia aussi. Elle est super sympa. Et tu peux compter sur nous pour ton tournoi. Ouais, franchement, là maintenant, j'ai un peu plus envie d'y aller. Genre, elle nous a défendu et tout, ça me dérangerait pas d'y aller. Nous nous levons toutes les trois, rapportant nos plateaux, puis quittons le restaurant avant de nous saluer et de nous séparer. Quelle histoire encore? Ma cousine me jette un petit regard. Tu n'es pas trop déçue? Me sens bête plutôt. Tu ne pouvais pas savoir. On ne pense pas à ce genre de choses quand on rencontre quelqu'un. Même si moi je le sentais arriver gros comme, comme un camion tant qu'il était un peu subtil. Peu subtil, oh. Peut-être qu'il fera une amende honorable. À voir sur le long terme, en effet. Tu veux que je vienne avec toi jusque chez le kiné? Non, non, ça va aller. Papa a dit qu'il me ramènerait. Qu'il m'emmènerait, pardon. C'est la même chose. D'ailleurs, si tu veux qu'il te dépose devant l'agence, n'hésite pas. Je vais prendre le métro. Je ne veux pas te mettre en retard à ton rendez-vous. J'accompagne Claire jusqu'à la voiture de ton tonton qui l'attend. Tonton? J'ai bugué. Qui l'attend de. Tout près du campus. Bonjour, Sayo, je t'emmène alors? C'est très gentil, tonton, mais comme je disais à Claire, je vais prendre le métro. Faudra que vous veniez manger toutes les deux à la maison. Vous habitez à Séoul, on voit presque autant que lorsque vous étiez à Paris. Surtout, ne comporte pas de reproches. Après, je peux comprendre quand j'avais votre âge. Papa, on y va, on va être en retard, sinon. Tonton Quack sourit à nouveau et me souhaite une bonne journée, tandis que ma cousine prend place à côté de lui dans la voiture. Je les regarde s'éloigner avant de prendre la direction du métro. Le cœur battant, j'ai passé la sécurité à l'entrée de l'agence sans encombre grâce aux bases juste données hier par Manager Ban. Je me sens tout à fait VIP, comme si j'étais sous contrat pour OP Entertainment. Ouh! Alors que j'attends l'ascenseur, je remarque une présence derrière moi et jette un petit regard par-dessus mon épaule. J'ai peur. Oh non. J'ai peur de lui. Il me fait peur. Patrick O me sourit. Bonjour, j'imagine que vous vous souvenez de moi. Oui, c'est moi. Oui, d'accord, mais c'est bien, mais ouais. Oh, bien sûr, monsieur O, c'est plutôt l'inverse qui est surprenant. Je n'oublie pas les personnes avec du potentiel. Ça fait peur un peu. Hein. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent au même moment et nous entrons tous les deux dans la cabine. Je me sens un peu intimidée. En parlant de potentiel, avez-vous réfléchi à ma proposition? Pour être honnête avec vous, ça ne me tente pas. Pourtant, vous avez un potentiel incroyable. Ce serait dommage de ne rien faire alors que vous en avez bien plus. Vous avez bien plus que. Oh, plus que la plupart des gens. Certains mannequins de mon agence bien établis vous arrivent à peine à la cheville. C'est dégueulasse de dire ça. Oui, mais il y a mes études et j'ai quand même envie de les terminer. Chez OP, tous nos artistes suivent des cours à l'université. Il est très important pour nous qu'ils aient aussi des têtes bien pleines et pas juste de jolis minois. Ce serait donc pas tout un problème pour vous?
La célébrité ne me trompe pas trop en fait. Ça peut faire peur, je comprends. Que dites-vous d'en rediscuter plus calmement que dans un ascenseur? Envoyez-moi un petit message ce soir si vous voulez. Je pourrais vous donner un rendez-vous pour qu'on le reparle de ça. D'accord, je vais y réfléchir encore. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent à ce moment-là. C'est mon étage, bonne journée, monsieur. Bonne journée à vous aussi, mademoiselle, et réfléchissez à ce que je vous ai dit. Ok, ça fait peur. Les portes se referment sur son sourire. Après cette discussion un peu étrange, je sors mon téléphone pour annoncer à ma manager d'urban que je suis arrivée. Quelques instants plus tard, le manager de Surster s'avance vers moi. Bonjour Saïwa, Claire ne se joindra pas à nous aujourd'hui? Non, elle est chez le kiné pour sa cheville. Je vais aller voir. Du coup, je suppose c'est manager d'urban. Ah! C'est triste! Ah si, il est quand même pote un peu avec Surstar quand même, non? Enfin, en soi, c'est le travail et tout, mais ils ont l'air vraiment proches comme des amis. Enfin, même s'il y a une petite différence d'âge, genre, je sais pas, mais il y a même pas 10 ans, ils ont même pas 10 ans d'écart. Au plus, hein. Non. J'espère pour elle que ce n'est plus qu'une question de jour. Tu tombes bien parce que les garçons s'apprêtaient à partir pour leurs activités respectives. Jun A pour son apkido, Jin Seong pour son yoga aérien. Colin et Imchan vont tous les deux dans les bains publics. Quant à Taeyong, il a rendez-vous avec nos stylistes. Oh non! Ah zut, je suis venue pour rien alors? Tu peux aller avec eux si tu veux. Enfin, à choisir parce que tu ne pourras pas être partout en même temps. Manager Ban sourit. Je vais aller avec Aniel. Comme manager Ban m'ouvre, puis veut fermer ma porte derrière moi, j'avale ma salive. Oh mon dieu! Mais non, enfin, alors. Pardon, non, il est pas comme ça. Me voici dans une. Oh putain! Me voici dans une des salles où les stylistes d'OP Entertainment créent leur magie pour habiller les idoles. J'ai été un peu surprise d'entendre qu'alors que les quatre autres garçons sont partis pour des activités de détente. Agnès se trouve toujours dans les murs de l'agence occupée à quelque chose qui me semble relever son métier. Oh. Comme s'il ne pouvait pas décrocher. Est-ce qu'il est un bourreau de travail derrière son attitude très papillonnante? Un peu intimidée, je m'avance sous les regards de plusieurs dames qui paraissent intriguées par ma présence. J'espère que je vais vite trouver Aniel. J'ai en effet l'impression d'être comme un cheveu dans la soupe ici. Je ne sais pas ce que Patrick O voit en moi, mais je ne ressens pas. Oh! Encore l'assurance d'être employée à OP. Je n'ai heureusement pas à chercher Aniel très longtemps. Mes yeux sont attirés par lui comme s'il le serait par une lumière si c'était la nuit. Debout, les bras tendus, les cheveux à présenter en noir plutôt que le rose fuchsia d'hier, il se laisse passer une tunique. Je ne sais plus parler. Je m'arrête pour le contempler un instant avant d'aller vers lui. Mon cœur tambourine déjà dans ma poitrine. Dans son opale, encore retrouvé par le tissu, les ailes de son tatouage ancré sur ses omoplates se détachent. Ça ne fait conférer à Aniel une apparence plus irréelle encore. Ouais, je sais plus parler. On dirait que les deux stylistes qui l'habillent de cette tunique grise claire ornée de longs rubans rouges et violets habillent un ange pour une cérémonie. Il irradie presque pour de vrai d'une aura très douce, très laiteuse, très irisée. Non, on va mettre la jalousie parce que. Voilà. Attendez, si je fais ça, ça fait quoi? Non, ça change pas. Je vais faire ça. Si deux femmes peuvent le toucher, moi je dois rester là. Bon, tu l'as quand même embrassé. Mais quoi qu'il en soit, c'est moi qui l'ai embrassé hier. Ok, on pense pareil. Je me sens comme un papillon alors que je m'avance vers lui, lueur humaine et angélique à la fois. Aniel a dû entendre mes pas sur le parquet et car il jette un coup d'œil par-dessus son épaule. Lorsqu'il voit que c'est moi, un grand sourire illumine son visage. Oh mon petit cœur.
Rien que cela, c'est presque déjà trop pour mon cœur. Mais vas-y, mais. Il pivote sur lui-même, les bras toujours levés et les coudes pliés. Et les mains près de mon visage. Oh, j'ai vu son visage comme pour une photo de mode. Il se lève ses mèches noires comme les rubans autour de son torse. Oh! Il est trop beau! J'avais pleuré. Ouais. Oh, il est trop mignon. Ça y va. Il y a tant de joie sincère dans son exclamation que ma poitrine se gonfle de joie. J'arrive pas à arrêter de sourire encore une fois. Ça fait tant plaisir d'être accueilli avec tant d'honneur par celui qu'on... de bonheur par celui qu'on aime. Il se tourne ensuite vers les deux stylistes. C'est Saïwa. Je m'ouvre de rire. Je ne pense pas que cela renseigne grandement ces deux dames qui doivent se demander qui je suis. Qu'est-ce que tu fais ici? Manager Urban m'a dit que je pouvais rejoindre l'un d'entre vous cet après-midi et c'est toi que j'ai choisi? Oh, super, je suis content. Qu'est-ce que tu penses de cette tenue? On est en train de choisir les costumes pour notre prochaine tournée. Celle qui va être avec notre album Utopia qui sort en début d'année. Tu es magnifique. On a les mêmes goûts car moi aussi je trouve que ça me va plutôt bien. Je l'ai de cette tenue en tout cas. Je m'avance vers lui alors qu'il retire la tunique. Son avant-bras gauche est entouré d'un bandage suite à l'accident d'hier. Je lui viens en aide pour faire passer les vêtements au-dessus de sa tête sans que les rubans ne s'accrochent partout. Je suis en train d'amener Aniel à se déshabiller. Je crois que je vais décéder dans la minute. À raison torse nu, le visage me regarde. Ah. Ah yes. Je vais pleurer. Ok. Je n'ai pas trop fatiguée de la soirée d'hier, tu t'en es remise. Et moi, oui, mais toi, ça ne te fait pas trop mal? Il se lève un peu son bras pour le regarder, et presque avec l'air de découvrir qu'il est blessé. Ah oui, tiens. Non, quand Manager Urban m'a donné des antidouleurs, donc ça va. Cette nuit, ça m'a fait très mal, c'est pour ça qu'il est passé prendre une prescription ce matin. Mais maintenant, comme j'en ai presque plus mal par rapport à cette nuit, j'en avais presque oublié. Tiens, on va voir ce que j'ai vu. Viens voir ce que j'ai vu. Agnès s'empare de mon poignet, mais dès que ses doigts se resserrent autour, on dirait qu'il reçoit une décharge électrique. Il lâche aussitôt mon bras et vient chercher son propre poignet de son autre main. Ça fait mal. Quand je serre fort quelque chose, c'est comme si je m'électrocutais. Du coup, ce que j'en imagine, c'est que je ne... C'est ce que j'en imagine. Du moins, c'est ce que j'en imagine, car je ne me suis jamais électrocutée avant. Tout en parlant, il s'est mis en marche vers une extrémité de la salle. Je emboîte prestement le pas, de peur qu'il ne me laisse planter là. Les murs sont couverts de miroirs devant lesquels sont placés des sièges de maquillage. Beaucoup de rayons sur lesquels pendent des cintres garnis de vêtements s'alignent également partout. J'ai laissé mes affaires ici. Sur un siège, des habits froissés sans soin. Je me souviens qu'il m'avait dit qu'il m'avait dit en laisser traîner partout, ne jamais les ranger. Annelle récupère son smartphone dans une poche de son sweatshirt et s'assied en tailleur sur le sol. Regarde cette photo. Il brandit l'appareil devant moi. Sur l'écran s'étale le paysage lumineux d'un désert sous le soleil, bordé de canyons. L'Arizona aux États-Unis, regarde ces beaux, ces beaux grands cactus. Saguaro, ça s'appelle. Ils peuvent faire 15 mètres de haut. Ils peuvent faire 15 mètres de haut, 3 mètres de diamètre et vivre 150 ans, t'imagines? C'est comme d'aller rendre visite à des gros grands-pères et de grosses grand-mères. J'aurais trop envie d'aller dans un endroit comme ça pour explorer. Il arrache ses yeux de la photo pour les poser sur moi. Tu viendras avec moi un jour? J'ouvre de grands yeux. Sa proposition me ravit mais me surprend aussi. Ah, je vais mourir.
D'autant qu'elle porte sur un avenir plutôt lointain. J'adorerais. Super, merci. Je serais très contente d'être là-bas avec toi, de te voir au milieu des cactus géants. Je peux vous de rire, c'est une drôle de déclaration, mais je la trouve adorable. Tu n'as pas envie d'y aller avec tes amis? Non, j'aurais envie d'y aller avec toi plutôt. Mais il ne faut pas que tu te forces si tu n'aimes pas ce genre de paysage. Il hausse légèrement les épaules, mais. Il hausse légèrement ses épaules, ce qui fait bouger les mèches noires qui glissent sur sa peau pâle. Je les regarde comme hypnotisée, mais Aniel. Déjà. Mais déjà, Aniel reprend. Et puis. Je ne sais pas quand je pourrai, de toute façon. À moins qu'on ne fasse un concert un jour dans cet endroit, dans un endroit comme ça. Vous n'avez pas de vacances? Non, mais on peut se reposer le dimanche et dans des moments comme cet après-midi. Puisqu'il m'est sujet sur le tapis, j'en profite pour satisfaire mon interrogation d'un peu plus tôt. Tu n'avais pas envie de sortir de l'agence comme les autres parce que tu travailles encore là? Ce n'est pas vraiment du travail, ça m'amuse. J'aime bien tester de nouveaux vêtements, de nouvelles apparences, un peu comme les coiffures et les couleurs. Si j'étais sortie de l'agence, je serais allée à l'appartement pour faire la même chose de toute façon. Ou bien j'aurais passé l'après-midi sur Internet, ou à lire des fanfics, ou à regarder des émissions à la télévision, ou à chanter et danser dans le salon. Il n'y a pas d'activité extérieure en fait, comme Jia, Hapkido ou Jinseong au yoga. Non, je reste à l'appartement, mais je ne m'ennuie pas pour autant. Je m'amuse toujours bien. Je hoche la tête, mais déjà l'attention de Daniel se reporte sur l'écran de son téléphone. Il ne faut pas que ça coûte trop cher non plus, puisque, comme je crois que je te l'avais dit, je vais garder mon argent pour ma famille. Je comprends qu'il parle à nouveau d'un éventuel voyage en Arizona. D'un air un peu rêveur, il examine d'ailleurs d'autres clichés du Grand Canyon ou un endroit qui y ressemble. Tu en fait, en plus de ta famille, tu vois encore parfois tes amis qui sont restés à Sokcho? Non, aucun. Je ne m'attends pas à ce qu'ils poursuivent et m'étonne donc une fois de plus en précisant. J'ai beaucoup de mal à garder des amis, je ne sais pas comment ça se fait. Oh, mon petit Aniel. Je m'entends bien avec tout le monde, je me lie très facilement, donc c'est facile pour moi de m'en faire. Mais je ne les garde pas, je ne sais pas pourquoi. Dès qu'on ne se voit plus, c'est comme si on ne s'était jamais connu. On ne garde pas le contact. Ça t'attriste? Ce n'est pas vraiment de la tristesse, et je n'ai pas souvent le temps d'y penser. Mais quand j'y pense, ça fait un petit trou vide ici. Il prend ma main et la place sur son pectoral gauche comme il l'avait déjà fait plusieurs fois. À force d'en habituer, hein. Contrairement à d'habitude, pourtant, il est torse nu aujourd'hui. C'est donc directement sur sa peau que ma peau se pose. J'espère qu'il ne va pas devenir humide à cause du stress. Sa peau est très douce sous sa main et tiède. Oui, bon, s'il te plaît, les détails. Après, moi, je vais me faire démonétiser. Non, parce que c'est bien drôle, hein, mais je crois qu'il n'y a pas que, y a pas que les gros bourrins qui me font de la merde. Je vais donc ne pas lire ce mot. Je ne sais jamais. Parce que à chaque fois, je me fais limiter ma monétisation pour rien. Et juste à côté de mon petit doigt et mon cœur s'emballe. Aniel de son côté penche la tête. Tiens, ce n'est déjà plus vite d'habitude, ça dure plus longtemps. Maintenant, c'est rempli. Il se penche un peu vers l'avant, vers moi. Ses lèvres sont entrouvertes et je ne peux pas m'en détacher de mes yeux. Il est si près, tellement près, trop près. Sa peau sous ma main et son cœur, ses yeux et sa bouche. À quelques centimètres de moi, ses dents très blanches. Encore? J'ai des difficultés à déglutir. J'ai peur. Ça me fait trop bizarre de relire des trucs d'amour. Ça faisait longtemps depuis Amour Secret. Il me faut le temps de me réhabituer. Je peux t'embrasser, Sayoa? Cette question. T'as aimé hier?
Je hoche la tête pour répondre oui aux deux, mais ma dernière bibre de lucidité me rappelle que nous sommes à l'agence. Les stylistes, vous n'avez pas un Dictimban? Je sais pas trop, je crois pas. Faudrait que je demande à ma note d'urban, mais je n'ai pas entendu dire qu'il y avait ça dans notre contrat. On nous a souvent dit de ne pas le faire, mais je crois que c'est juste dit, pas écrit. Et ici, derrière ce rayon de vêtements, on est dans notre propre petit coin à l'abri et personne ne nous verra de toute façon. Ah, oh, ça a l'air trop bien. J'ai peur alors. Tu es tellement jolie et plein d'autres choses. Quand tu es là, mon cœur est rempli, même quand il devrait être vide. Ah, il est trop mimi. Je pleurais. Je suis plus capable de parler alors que je me contente de hocher la tête une nouvelle fois. J'ai l'impression de rêver. Hier n'était bel et bien pas un accident. Et si c'est un son, je le vis à nouveau aujourd'hui. Je pleurais, c'est trop bien. Les lèvres de Daniel se reposent sur les miennes avec douceur comme la veille. Tout de suite, cependant, sa langue s'immisce entre elles pour venir toucher la mienne. Oh mon Dieu. Dans le même temps, il m'attire à lui de sa main valide. Je me retrouve bientôt pressée contre son torse, ma main toujours sur son pectoral coincée entre nos deux poitrines. Oh, trop bien! Ce baiser et dire était chaste, celui-ci prend très vite de la profondeur. Ouais. J'aime bien les détails dans ce jeu, ça me fait rire. D'un côté, je suis en mode. Je suis en train de lire quoi là? La langue de Daniel explore en effet ma bouche. Elle caresse mon palais, puis ma propre langue, avant de s'enrouler autour. Tuto, comment embrasser? Je me laisse faire et moi aussi maintenant j'ai très chaud derrière mes causes. C'est trop bizarre. Ça te plaît? Ça te fait du bien parce que à moi, oui. Il a laissé tomber ses mots directement dans ma bouche et j'ai l'impression qu'ils vibrent en moi comme de l'écho. Oui. Oui, ça me plaît beaucoup. Alors, je continue. Oh mon Dieu! On peut passer les détails cette fois parce que... Pas très bon lire ça, en fait. Non, mais c'est bizarre de dire ça, ok? À voix haute, c'est très bizarre. À la fin de sa phrase, sans la moindre hésitation, ses lèvres reprennent les miennes. Ah. Nos nez et puis nos dents s'entrechoquent. Manine n'y fait pas attention alors qu'il se repositionne, inclinant un peu plus le visage. Son baiser est à la fois un peu maladroit et incroyablement lascif, d'autant qu'il bouge également son corps. Ses mains lâchent mes épaules pour venir se poser sur mes joues avec légèreté. Le merveilleux visage de Daniel s'écarte à 1 cm du mien. Sa langue vient surligner ma lèvre supérieure. Oui. Elle descend ensuite pour faire tout le contour de ma bouche qui reste ouverte. Je respire très vite. Tout à coup, des claquements de talons se font entendre sur le sol. Une styliste doit être en train d'approcher. Instinctivement, je recule et Aniel fait de même. Oh mon Dieu. Mon cœur va interrompre. Toujours interrompre plus vite encore qu'avant. Aniel porte ses doigts sur sa bouche puis lèche sa propre lèvre inférieure sans arrêter de me regarder. Oh, cette ellipse horrible! J'avoue rechercher à minuit, d'accord? Oui, manager Urban. Pendant que les garçons discutent des détails pratiques de la soirée avec le manager, je sens mon téléphone vibrer dans mon sac. J'en ai écrit pour trouver un message de Claire. Sorry, Saywa, ou pas. Je reste manger chez mes parents ce soir. Ne me remercie pas et profite de ta soirée. Fusée, puis y a deux fous, puis on. Moyen de faux, ouais, j'ai pas compris en fait sa phrase. Je visualise presque le clin d'œil pas du tout subtil de ma cousine à la place de son emoji. Je lui envoie aussi un ressorti. Un remerciement mental. Cette brave guerre qui pense toujours à moi. Et en plus, manager Urban ne sera pas présent non plus puisqu'il nous laisse là à nous.
Il nous reprendra dans quelques heures. Le cœur battant, j'ai l'impression que tout peut arriver alors que je range mon portable après avoir répondu à ma cousine. Tu viens, Saïwa, ou tu comptes rester planté là comme un piqué sur le trottoir? Oui. On doit se mettre à couvert, nous. Oui, pardon, je vous suis. Je m'empresse d'emboîter le pas de mon cousin pour pénétrer dans le restaurant des parents de Imtian. Oh, encore, trop cool. Nous venons y fêter le prix gagné par Serster la veille et la soirée s'annonce joyeuse. Le même serveur que la fois passée nous fait descendre dans la même salle privée. Je suis en terrain inconnu. Et cela m'aide à me sentir tout à fait en confiance. Je prends place à côté de mon cousin, Imtian s'installe à ma droite. Face à moi, Jia encadré de Daniel et Jimmy. Bon, tournée de soju pour tout le monde? Pas pour moi, merci. Même pour célébrer une telle victoire? Ouais, je préfère pas, ça va encore me donner mal à l'estomac et c'est pas très productif. Jia ne rétorque rien, et je suis soulagée pour mon cousin qui n'insiste pas. Je ne bois pas d'alcool non plus. En plus, je préfère rester bien lucide toute la soirée pour l'apprécier de ses moindres détails. J'ai déjà entendu dire que le soju était très fort et très transu. J'ai aucune envie de comater sur la table. Ok. On n'est pas là pour forcer quiconque, de toute façon. Chacun fait comme il veut. Il n'y a pas besoin d'alcool pour s'amuser. Pas très coréen comme réflexe, mais je suis assez d'accord quand même. Vous buvez tous de l'alcool? À part Colin, oui. En Corée du Sud, tu es un peu élevé à ça. Boire, c'est le passe-temps principal pour décompresser ou créer des liens. Oui, ce n'est pas la même chose qu'en France, où on est vite considéré comme un poivreau. Qu'est-ce que... Bon, de se dire ici, c'est vraiment une activité normale pour tout le monde. J'entends à son intonation que ça ne lui plaît guère. Oh. Mais il doit bien s'en accommoder puisqu'il vit à Séoul. Oh, je tiens super bien l'alcool et je peux boire plusieurs bouteilles de soju sans broncher. Vous n'êtes pas obligé de pousser vos limites non plus, on n'est pas ici pour faire un concours. Et si vous avez envie d'impressionner Saïwa? Il a déjà compris aussi. Mon cousin me jette à coups d'œil tandis que le rouge me monte au jeu à cette idée. Elle est française, alors je sais pas si ça va vraiment la faire chavirer de voir des bouteilles de soju vides s'aligner en bord de table. Comme je viens de le dire, en France, on n'a pas la même culture de l'alcool. On peut quand même faire des petits jeux à boire, c'est sympa. Et Saïwa et toi, vous pouvez jouer avec de l'eau de toute façon. C'est bien l'eau, c'est très bien l'eau. Buvez de l'eau, c'est cool. Agnès sourit rayonnant sans même chercher à l'être. Des jeux à boire, ça consiste en quoi? Il y en a plein. C'est peut-être mieux de t'expliquer au moment où on les fait, sinon tu vas t'y perdre. Je vais commencer par commander à manger alors. Imtian s'excuse vers les cuisines pendant que Aniel se tire. J'ai faim. Ça ne va pas tarder à arriver, tu sais bien que les parents de Imtian sont toujours aux petits soins pour nous. Mona Durban m'a dit qu'à la fin de la semaine, on commencerait à s'entraîner avec 21st June au fait. Un truc qui va faire plaisir à Jia. Pour le challenge de Dongyunyum, ouais. J'arrive toujours pas à dire son nom à lui. Il faut qu'on soit au pain à présent pour l'émission. On est censé célébrer notre victoire ce soir, pas penser au sujet qui fâche. Et sûrement pas. Ce n'est pas ce, tu vois, Dieu. Ils n'ont pas volé les prix qu'ils ont gagnés. Jinny a posé ses remarques d'un ton calme et gentil. Jia lui lance néanmoins un regard. Certes, mais il ne les mérite pas spécialement plus que nous. Lequel tu préfères dans cette force de Saïwa? Je sais pas. Ouais, j'ai dit c'est qui ou Jay en vrai. Mais deux coups sur la table, Daniel me regarde avec attention. Il a le sourire.
Aliel, le roi des pieds dans le plat. Est-ce une question piège? Si je dis Aliel, ça va faire chier dehors. Est-ce une question piège? Ça m'étonnerait quand même venu de lui. Il est gentil et candide. Je ne veux pas du tout entretenir des arrière-pensées ou essayer de créer la brouille entre les gens. Quoi qu'il en soit, tous les regards sont braqués sur moi, y compris celui d'Emutian qui est revenu entre temps. J'attends donc d'y répondre. Ils savent que je suis fan de toute façon. C'est qui? Et puis c'est facile de lui parler, il est très naturel. À mon avis, on s'amusera bien avec lui lors de notre entraînement conjoint. Bon, vivement que la bouffe arrive. Je peux pas m'empêcher de rire sous cap à l'expression blasée de Jihad où Dini tapote l'épaule. Oh! Bonsoir à tous. Voici les boissons et les encas. Une dame petite et ronde, avec un sourire aussi gentil que celui de son fils, se dépose un plateau sur la table. C'est Fabie. Une chaîne se tourne vers moi. C'est ma maman, m'en doutez. Enchantée, madame. C'est Sayawa qui fait ses études ici pour un an et qui vient de France. Bonsoir. Madame Moon me salue avec gentillesse alors qu'elle dispose de grandes assiettes au milieu de la table. Inchan et Jinli l'aident à faire passer les verres et les bouteilles. Bon appétit et bon amusement. Merci beaucoup. La mère de Inchan sourit à la ronde, surtout à mon cousin et à son fils avant de faire demi-tour. Ça doit être fatigant pour elle de servir le soir au restaurant après avoir travaillé à l'hôpital, non? Surtout qu'elle fait régulièrement des gardes en plus, où elle passe toute la nuit à l'hôpital. Oui, c'est vrai, mais elle dit qu'elle préférait des plats plutôt que de se reposer, alors... Une chaîne a débouché une bouteille de soju qu'il verse dans les différents verres... dans différents petits verres à shot. De délicieuses odeurs de nourriture émanent des plats nombreux et généreux placés sous nos nez. Je repère du poulet frit, des saucisses, différentes sortes de légumes et de salades, de boulettes de riz et même des frites. Je me monte immédiatement à la bouche et je saisis mes baguettes pour imiter les garçons. On boit toute la journée en mangeant toute la soirée. Une soirée typique à la coréenne, quoi. Je crois que c'était soirée et pas journée, mais c'est pas grave. À nouveau, ce ton un peu désabusé, sans doute que lui ne peut rien faire de cela et de tout cela et qu'il doit se distinguer des autres. C'est vrai que ça doit pas être gay. Mon cousin saisit une boulette de riz au bout de ses baguettes alors que Aniel repartit vers lui un bol de roulette d'ailes de concombre. Jia le suit des yeux comme pour s'assurer qu'il ne perd jamais le contact visuel avec ses ennemis mortels. Tu aurais fait quoi si tu avais perdu le pari au fait? Tu aurais vraiment mangé du concombre? Bien sûr. J'ai levé le menton. Je t'ai déjà dit que j'étais un homme d'honneur. Et ça ne t'aurait pas ennuyé, c'est que j'ai gagné? Non, pas du tout. Pourquoi tu penses qu'il y a un déshonneur à devoir faire des gages dans un jeu? Il a un petit sourire en coin. Et puis on dit que c'est moi le mauvais perdant. Ou tu dis ça parce que tu es une fille et que j'aurais perdu contre une fille donc. C'est ça, rassure-toi aussi, je sens mes couilles dans mon boxeur 24 heures sur 24, quoi. Ils n'ont pas besoin de me sentir supérieur aux filles pour avoir l'impression que j'en ai dans le pantalon. Y'a pas de problème avec ma masculinité, je suis pour l'égalité totale homme-femme en plus. Et c'est super bien pour ta grande gueule. Je hoche la tête d'approbation. Au moins il n'est pas sexiste. Obviously. Enfin, heureusement pour lui aussi. Contrairement à beaucoup d'hommes en Corée du Sud, visiblement. Sinon, à part le concombre, Jonah a un autre point faible, Sayawa. Dis-moi, Ginny, dis-moi, mon petit Ginny. Ah bon? Ah oui, mais je crois que je te l'avais dit quand elle est... Je l'avais déjà dit quand elle est venue dormir chez nous. Plusieurs autres points faibles, même. Vous n'avez pas fini. Avec de tels amis qui ont encore besoin d'ennemis, je vous le demande.
L'ambiance est un bon et bon enfant. Tout semble s'amuser, même le principal concerné. Seul Imtian est un peu en retrait, mais j'imagine que c'est parce qu'il craint un peu Jia, alors il n'ose pas. Puisque l'atmosphère est au taquinerie, je suis sur la même lancée. Eliane Ace? Jia laisse échapper un petit rire. Mais bordel, laissez-moi en paix avec ton support, June! Jia sourit. Ça va sans dire. C'est pour ma petite chérie que mon cœur est le plus tendre. On parlait d'encore autre chose, n'est-ce pas, Jin Seong? Oui, en tout cas, moi, je parlais de ça. Le main dancer accompagne son dernier mot d'un index sur le flanc de Jia. Ce dernier a un mouvement de recul immédiat vers Aniel, assis de l'autre côté de lui. Moi aussi, je parlais de ça. De quoi? Je suis pas. Le visage imite le geste de Jimmy dans l'autre flanc de Romy. Jia pousse une exclamation et bondit debout en renversant presque sa chaise. Il perd toute crédibilité là. C'est vrai, il est très chatouilleux. Jia pointe un doigt accusateur vers mon cousin dont le sourire ne s'affaisse pas pour autant. Et toi pas peut-être? Par précaution, Colin se lève de sa chaise sans attendre et s'éloigne de la table de quelques pas. Il a une main posée à plat sur son ventre et mérite toujours de bon cœur. Ça ira, je me bats en retête. Je deviens même hashtag Team Zona, laissez-le tranquille. Aucun respect. J'ai à peine ses mèches, je verrai l'arrière de ses doigts. Vers l'arrière des doigts, lui aussi sourit en grand. Oh, je bug. Mais c'est toi qui es Magnaï du groupe pour Ravel. C'est vrai, en plus, on peut oublier ça, parce qu'il n'a pas du tout l'air, mais. C'est vrai. Cette scène me fait chaud au cœur. On ressent l'amitié au-delà de leurs différends. Puis après toute cette pression à laquelle ils sont soumis en permanence, ça fait du bien de les voir se lâcher un peu. Je suis vraiment contente d'être là et de partager ce bon moment avec tout simple avec eux. Et puis ça change de la tension de ces derniers jours, entre le cambriolage, le stress des awards et l'accident de Daniel. C'est dommage que Claire ait raté ça. Je me promets cependant de tout lui raconter par le menu plus tard. Toujours à table, Aniel attrape un morceau de poulet et la sauce grasse le fait glisser sur le métal. Bon, d'ailleurs, pour ce qu'a dit J.A., je peux oublier la monétisation. Putain. Ah ben non, je m'en fous, hein, je le dis aussi. Hein. Le fait glisser sur le métal. Oh. Handicapé par sa blessure au bras gauche qui le rend plus maladroit, le visuel ne parvient pas à la rattraper. Zup. Tu veux que je te donne à manger? Je sais pas dans quel sens elle a dit ça, mais c'est pas grave. C'est une bonne idée, c'est super gentil de ta part, Saïwa. Ça sent bien que Jonna soit toujours debout pour discuter avec Colin. Tu peux t'installer à sa place comme ça. Je me demande encore comment j'ai osé me proposer en contournant la table d'aller m'asseoir à côté de lui. Je pioche à mon tour dans le plat de poulet en priant pour ne pas lâcher à mon tour. Je n'ai pas l'excuse d'un bras blessé, je cède de mon habitude aux fourchettes. Mais le morceau de viande parvient sans encombre jusqu'aux lèvres de Daniel qui le happe de ses dents parfaitement alignées. Merci Saïwa, si ça t'ennuie pas, tu peux rester là toute la soirée. Jette un coup d'œil à Imchan qui était... Ma place reviendrait à laisser la mienne à Jia, qui serait alors assis à côté de lui. Bah oui, mais... Comme ça, ils essaient de se rapprocher, je sais pas. J'en suis encore à tergiverser entre quand le main vocaliste et mon cousin reviennent vers la table. Colin prend ma place et Jia s'installe donc face à Aniel. Ah. Avec tout ça, on n'a toujours pas fait les petits jeux d'alcool. Ah oui, c'est vrai. On commence par lequel? Le Titanic, mais il faut de la bière pour ça. Je hausse un sourcil. Le Titanic. On fait flotter un verre de soju vide dans un
grand verre de bière. On fait ensuite tourner la bouteille de soju et chacun à son tour doit verser ce ne fût-ce qu'une goutte de soju dans le petit verre. Celui qui met la goutte de trop et fait couler le verre de soju dans la bière doit boire le mélange. Bière soju, c'est un classique, mais ça peut perturber des estomacs non avertis. Moi, je n'aime pas la bière, alors je passe pour celui-ci. J'ai dit que je ne buvais pas d'alcool. De toute façon, on va pas se faire jouer là, Imtian n'aime pas. Et non, on est à l'eau quoi qu'il arrive. On peut peut-être faire la fraise plutôt. La fraise ? J'ai l'impression d'être soudain devenu un culte, je n'ai aucun référent, je ne connais pas du tout ces jeux. Chacun à son tour répète un petit enchaînement de 4 mouvements, comme taper sur ses cuisses, dans ses mains, agiter les doigts. La première personne dit fraise une fois sur le dernier mouvement, puis la suivante 2 fois sur les 2 derniers mouvements. Quand on arrive à 4, on redescend à 3 fois le mot fraise, puis une fois 1, on remonte. Jusqu'à ce que quelqu'un se trompe. Et celui qui se trompe boit son verre. L'avantage, c'est que chacun peut boire ce qu'il a dans son propre verre, donc aussi de l'eau ou n'importe quoi d'autre. Il y a d'autres jeux dans les bouchons de bouteilles, genre le plus basique dans le bouchon. Ouais, j'ai mal lu. Il y a aussi des tas de jeux avec les bouchons de bouteilles. Genre le plus basique, dans le bouchon des bouteilles de soju, il y a un numéro de 1 à 50, un genre de numéro de série. On le fait deviner aux autres qui ont 5 CC pour le retrouver. S'ils trouvent, celui qui a le bouchon boit, sinon ce sont tous les autres qui boivent. On boit toujours un verre de soju cul sec, je ne sais pas si tu sais. Du coup la tête il me la prend. Fait-on joie de Dieu, Saiwa, honneur aux dames. La fraise. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé en consommant avec modération à partir de l'âge légal. Je commence. Anel fait tourner sa main gauche puis la droite comme des marionnettes. Avant de taper 2 fois sur ses genoux. Fraise. Nous avons enchaîné les jeux et les bouchées de nourriture entre les gorgées de boissons. C'était très drôle, de plus en plus drôle au fur et à mesure de l'avancée de la soirée. En effet, si j'étais encore un peu réservé au début, la bonne atmosphère sans chichi m'a vite fait déshiberner. Les garçons m'ont traité comme une égale, comme une amie de longue date, pas comme une fan ou une pièce rapportée. Eux-mêmes se sont beaucoup amusés, j'ai l'impression. Il me semble les avoir vus tout à fait au naturel, dépourvus de leurs auras de star. J'ai vraiment été injectée par leur intimité la plus intime. Et je ne me sens plus la même qu'auparavant dans ma relation avec eux. Malgré la nuit passée dans leur appartement, malgré toutes les fois où je les ai accompagnés, j'étais encore un peu plus à distance. Toujours un peu fan, toujours un peu étrangère. Maintenant, je me sens vraiment partie intégrante de leur cercle. De plus, dans cette ambiance d'amusement, les tracas également repoussés au loin, ils ont pu redevenir des jeunes gens normaux. Qui ne s'inquiètent plus des paparazzi, de fans dangereuses ou de trophées, mais de gagner des petits jeux sans prétention. Je suis ravie d'avoir un peu contribué à cette détente, à cette soirée de plaisir. Et je les aime encore plus qu'avant, tous les 5. Je zappe le prochain jeu. Alors que nous sommes occupés à faire un jeu de calcul, mon cousin se lève. J'ai allé saluer les parents de Imtian. Je viens avec toi, moi aussi j'aimerais leur faire un câlin avant de partir. C'est vrai que Manager Ban ne va pas tarder. Il est déjà presque minuit. Je suis déçue en prononçant cette phrase. Je n'ai pas vu la soirée filer. Mon téléphone me dit qu'il est 23h40. Ah oui, vraiment déjà. Bref, je vais en cuisine et je reviens. Quelque chose dans la façon dont il l'a dit, dans la façon dont il pose son premier pas pour s'éloigner, m'alarme. Je n'ose cependant pas le suivre. Non, on va éviter.
J'ai peur de faire pire que mieux d'attirer l'attention sur sa maladie et lui. Une chaîne par contre part avec lui. Ça me rassure un peu. Je continue à jouer avec Aniel, Gia et Dini, mais une partie de mon cœur n'y est plus, elle s'inquiète pour mon cousin. Demandez à Manager Van de me reconduire d'abord à les garçons à leur résidence. Je n'ai pas expliqué le pourquoi de mon inquiétude, mais les réfugiés de Colin a appuyé ma requête. J'espère qu'il va dormir d'un sommeil ininterrompu et qu'il le remettra d'aplomb. Je te ramène chez toi juste après. Je m'assure d'abord que les garçons sont en sûreté dans l'appartement. Je suis bien avec vous jusque-là, merci beaucoup. Manager Ban me sourit tout en appuyant sur le bouton de l'ascenseur qui arrive aussitôt et dans lequel tout le monde s'engouffre. Bonne nuit, je vais tout de suite dormir. Sans attendre, mon cousin disparaît dans le couloir alors que je termine de dire au revoir aux autres. Incha ne tarde pas à le suivre avec un petit geste d'excuse. Je soupire. Avec tout ça, j'ai oublié de lui parler de ma proposition que le CEO d'Open Entertainment m'a faite. Quelle proposition? Il était assis à côté de moi pendant la cérémonie de remise des prix. En fait, il a compris que j'étais la cousine de Colin. Il m'a dit que j'avais du potentiel et il m'a proposé de devenir mannequin dans votre... Enfin, son agence. Oh, chouette! Je l'ai recroisé tout à l'heure en venant vous voir. Je lui ai dit... Je devais lui dire ce soir si je voulais avoir... Si je voulais un rendez-vous ou pas. Ouh, j'en peux plus. Il faut que je lui envoie un petit message avant de dormir, mais je ne sais pas. Ya, qui était partie se mettre au pyjama, revient vers nous à un verre d'eau en main. Attiré par quelque chose vers le balcon, sans doute ses cactus, Aniel, quant à lui, s'éloigne. Tu ne sais pas quoi? C'est Ya qui souhaite la proposition de Pratico de devenir mannequin chez OP. Quoi? La voix de Gia a claqué comme un fouet et ses sourcils se sont froncés de manière dangereuse. Absolument pas. Sa réponse me prend court. Je comprends pas où il veut en venir. Absolument pas quoi? Je veux pas que t'achètes sa proposition. Tu peux faire du timing de main vocaliste avec l'argent. Et pourquoi ça? Parce que tu déclines, c'est tout. Gia? Bon, de toute façon, j'avais pas l'intention de le faire, mais C'est pas à toi de décider. C'est ma vie, donc ma décision, et ça ne te regarde pas du tout. Tu ferais mieux de m'écouter, pourtant. Oh là là, il me faisait rire il y a 2 secondes, et là, il m'a énervé. Oh là là! Ouh! Je commence à me sentir énervé par son attitude, qui m'interdit quelque chose qui n'est pas dans mon ressort d'un côté. Et qui refuse, en plus, de me donner des explications de l'autre, comme si j'étais une marionnette soumise à ses décisions, j'avoue. Ginny est restée un peu auprès de nous alors que les autres partent vaquer à leurs occupations, pose ma main sur son bras. Si Gianna dit cela, c'est qu'elle a une très bonne raison de le faire, Saïwa. Ce n'est pas contre toi, c'est que ça vaut vraiment mieux. Tu sais pourquoi? Pas du tout, mais je lui fais confiance aveuglément. J'aimerais quand même savoir pourquoi. Gia, qui faisait déjà un pas pour retourner vers le couloir des chambres, pivote se stagne. Patrick, oh, et un salopard, ça te va comme justification? C'est qui pour lui? Enfin, c'est son boss, techniquement, oui, mais je comprends pas. Il s'approche tout près de moi, son regard aigu me transperce comme une lance. Ah, je me doutais bien qu'il y avait un problème. Il va te faire signer un contrat, puis il trouvera un moyen de te faire coucher avec lui si tu veux le garder. Ou il te fera coucher avec lui pour obtenir le contrat d'entrée de jeu. Mais dans tous les cas, ce qui l'intéresse d'abord, c'est de t'avoir à sa merci, et de préférence attaché dans son lit. Ultra choqué par les révélations qui me crachent à la figure, j'écarquille les yeux. Comment tu le sais? De mes amis a un contrat chez lui, et elle m'a dit comment ça se passait. Elle en a bavé, elle a dû sacrifier son corps aux mains de ce porc. C'est ça la réalité derrière les offres qui miroitent, trop belles pour être vraies. Je ne veux pas que la même chose t'arrive, c'est tout. Figure-toi que je tiens à toi. Pourquoi j'ai envie de lui faire un câlin maintenant? Fais-moi un câlin. Ah non, tu voudras pas, mais c'est pas grave. Il quitte le salon sur ces mots, me laissant hébété à côté du canapé blanc. Non, je me suis pas fait presque avoir parce que dans tous les cas, j'aurais dit non, je veux pas. Genre ça, il était là comme ça direct en mode... Cette ordure de Patrick O. En plus, ça me fait penser à ce qu'il disait là, genre... Son terrain de chasse et tout, genre en mode...
Tu sais, ils ont une liste de avec qui il a couché, genre un truc comme ça, tu vois. C'est la colère qui domine face à de telles pratiques. Et quand je repense à ces belles paroles pour endormir ma confiance, ça me donne envie de vomir. En s'avançant vers moi, Manager Ben me fait presque faire un bond. Je te ramène chez toi maintenant. Les garçons vont dormir de toute façon. Ah oui, excusez-moi, j'arrive tout de suite. Je vais juste dire bonsoir à Agnelli. Bon, ça ne m'étonne pas. Je m'aventure vers le balcon où j'ai vu Agnelli s'éclipser. Surgit soudain en face de moi, nous manquons d'entrer en collision. C'est quoi, tu m'as fait peur? Tu me cherchais ou tu cherchais mes cactus? Je t'informe qu'ils ont l'air de bien avoir repris. Je suis soulagée pour lui, je sais combien il y tient. C'est surtout toi que je cherchais pour te dire au revoir. Tu t'en vas déjà, c'est dommage. J'avais bien aimé quand tu étais resté ici pour dormir une nuit. Tu devrais revenir une fois. En fait, je voudrais que tu t'en ailles jamais. Je voudrais que tu restes tout le temps avec nous. Sa phrase me donne un coup et qui fait du bien au cœur. Vivement qu'on se retrouve une fois tout seul ici. Ce sera mieux qu'avec les stylistes. Bah oui. Les bras de Agnès sont déjà autour de ma taille et son visage... Quoi ? Son visage doux et lumineux, même dans la pénombre, se penche vers moi. J'espère que Manager Ban n'est pas là. Ses lèvres effleurent mon front, puis... Bisous sur le front, je me trompe. Puis l'arrêt de mon nez. Puis le bout, avant de poser sur... Oh, ça me fait penser dans une série. Je sais pas si vous connaissez My First Love, mais c'est une série coréenne. Et en fait, à la fin, il lui fait un bisou sur le front, après sur le bout du nez, et après sur la bouche. Et ça me fait penser à ça, du coup. Ah, pardon. Oh non, mais pas encore. Elle range ta langue. C'est pas le moment. Je pense à ce que je viens de dire quand même. Sa langue la lèche avec délicatesse comme s'il goûtait une pâtisserie hors de prix. J'ai envie de t'embrasser tout le temps. J'espère qu'il y a pas mal de germain, il va être en mode. Ah, bah j'en ai perdu un. Comme ça. Oh yes! Oui, oui, épousons-nous maintenant. Est-ce que tu veux bien être ma petite amie? Comme ça, je pourrais le faire. Je n'ai jamais eu une petite amie avant. Ce serait la première. Sérieux? Et peut-être aussi la dernière. J'aimerais. Mais moi aussi, mon petit agneau d'amour. Ah, je vais pleurer. C'est vrai qu'ils n'ont pas quitté... Par contre, ne me dis pas que ça s'arrête là, parce que vraiment, je pleure rien. C'est vrai qu'ils n'ont pas quitté ma taille, il lui imprime un mouvement. Sans transaction et sans prévenir, il me fait tournoyer à l'entrée du balcon. Sur ses pieds nus, il tourbillonne étonnamment vite et je m'accroche à son cou en essayant de ne pas rire trop fort dans la nuit. Tu vas me donner tourner? J'essaie de te faire tourner la tête et j'essaie que tu dises oui. Tu n'as pas besoin de ça pour que je te dise oui. C'est trop mignon, je peux pas. Agnelli cesse alors sa vieille botte aussi abruptement qu'elle avait commencé. Je m'accroche d'autant plus à ses épaules afin de ne pas chuter. Oui. J'arrive encore doucement enchantée par son imprévisibilité et encore et le corps en pudding. Oui. Ah, j'ai un extra. Est-ce qu'on fera ça à la fin? Oui. Ah, oh, je suis trop... Oh mon dieu, c'est trop bien. Bon, attendez. On va juste... faire ça, du coup. Ouais, c'est le point de vue, Daniel. Ok. Ah, c'est après, ok. Saïwa vient de rentrer chez elle. Je vais aller dormir et je vais aussi penser à elle. J'espère que je la verrai dans mes rêves. J'espère que je rêverai des moments où s'embrasser... Ah, j'espère qu'on s'embrassera encore... Ah, je vais pleurer. Quand j'ai vu Saïwa là pour la première fois, je me suis dit qu'elle était très jolie et qu'elle avait l'air très gentille. Elle arrivait dans notre vie sans qu'on s'y attende vraiment, c'était un peu comme un cadeau de l'univers qui nous est tombé dessus. Elle était différente des filles d'ici et des fans aussi. J'avais envie d'apprendre à la connaître plus et je me disais qu'on s'amuserait sûrement bien ensemble. Et j'avais aussi un... j'avais aussi senti que ça cliquerait entre nous. J'ai l'impression qu'elle serait intéressée de venir voir les cactus géants en Arizona avec moi. J'espère qu'on se reverra vite. J'ai envie de la coiffer. Ah oui, c'est vrai ça.
Mais il faut d'abord que je dorme. Du coup, je vais en profiter pour faire une petite parenthèse. J'avais fait un sondage sur Instagram. Et j'ai pas envie de finir Idol si vite ou qu'il y ait une pause longtemps jusqu'au chapitre 24. Bon, sachant que ce spé va sortir bientôt et je suis une mauvaise langue. Parce que vous savez, là c'est disponible jusqu'au chapitre 23 du coup, parce que les développeurs sont en train de faire la suite. Je me suis dit, je peux vu que vous savez que Jenny c'est mon deuxième préféré. Et de base, je voulais faire de mon côté une partie avec. Le problème, c'est que j'ai pas envie de finir le jeu si vite ou de qu'il y ait, comme je vous ai dit, une grande pause dessus. Sachant même que bientôt, il va normalement, il y avait Fly qui devait sortir. Et que du coup, il y aurait une pause de 2 semaines parce que j'aurais fait la part avec Evan et Clément. Du coup, ça aurait fait une pause le dimanche d'Idols. Bon, ça le fera quand même, hein, à un moment ou à un autre. Et du coup, bah voilà. Je sais pas quand ça sortira, du coup il y aura cette pause quand même, mais j'ai pas envie de finir ce jeu si vite. Du coup, j'ai posé la question si j'allais faire des parties coupées, genre, par exemple un chapitre, mais ça part en 2 ou voire plus, ça dépend de la durée du chapitre en tout, ou si je faisais la partie avec Ginny aussi. Et même si les gens qui ne regardaient pas ont voté, j'ai dit remplacer par quelque chose que vous aimez bien. Ou imaginez-vous, voilà. La réponse qui est sortie le plus, je pense que vous en doutez vu que j'ai filmé tout le chapitre en entier, c'est la partie Ginny. Du coup, je ferai ma partie avec mon petit Ginny avec vous. Et on la commencera quand je serai à jour avec Aniel. Voilà. Parce que... Mais on recommencera dès le début, hein, parce qu'il y a plein de choix qui vont changer quand même au final. Du coup... Voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Bye bye!